Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme en ce moment pas mal, j'ai pas mal craqué que ma maman, on a fait pas mal de shopping ensemble, donc vous aurez beaucoup de hauls ces derniers temps, j'en suis désolée si vous n'aimez pas ça, mais après j'ai rien prévu des vidéos maîtresses. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est sur le coup, sachant que maintenant je sais où je suis, je sais quelle plage j'aurai, tout ça, mais si vous voulez savoir, n'hésitez pas à rester connecté pour savoir ma future classe, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu mes trouvailles chez Action et sur le site des Griftstock. Le site Dégriftok, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet, mais vous avez aussi des boutiques en ligne, enfin des boutiques, des vraies boutiques, hein, surtout dans le sud de la France. Je regarde ma petite liste pour vous montrer, mais il y en a à Annecy, Perpignan, Montpellier, Marseille, Vitrolles, Aix-en-Provence, Toulon, Antibes, Nîmes, Montpellier, Avignon, Valence, donc beaucoup dans le sud de la France. Quand j'irai à Marseille, je pense que j'irai faire un petit tour là-bas parce que ben, j'ai envie d'aller voir en vrai. Mais moi, j'ai craqué sur le site et j'ai acheté quelques petites choses pour moi, pour mes enfants. Donc ben, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Je précise que bien sûr c'est le site qui m'a contacté pour ce partenariat, qui avait envie de me faire découvrir leur boutique. Et honnêtement, c'est un bon plan, c'est vraiment une sorte de boutique, je pense. Alors j'ai pas vu la vraie boutique, hein, mais c'est une boutique où vous trouvez des bonnes marques à petit prix, ou en tout cas à plus petit prix. J'ai réussi à trouver du Calvin Klein, du Tommy Hilfiger, par exemple des marques de chaussures comme les Troprésiennes, à moins cher que ce que vous pouvez trouver bah, dans le commerce. Donc bah, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est une sorte de déstockeur, on va dire. Honnêtement, quand j'ai reçu le mail au début, je me suis dit, est-ce que c'est pas une arnaque? Et puis j'ai été vérifiée et je me suis dit, mais le nom me dit quelque chose, Dégriftok. Et j'ai dû voir un magasin ou aller dans un magasin une fois dans ma vie parce que ça me dit quelque chose. Je peux pas vous redire, mais je pense que j'ai dû croiser un magasin une fois. Et honnêtement, bah du coup, quand j'ai zioté le site, il y avait des très belles choses. Donc j'ai passé commande pour mes enfants et pour moi. Je commence par qui? On va commencer par Nano. Vous savez, mon petit Oran. Je lui ai pris une petite tenue comme ça de la marque Lee Cooper, que j'ai trouvé très sympa. Donc j'ai pris en 4 ans parce que c'était soit 2 ans soit 4 ans. Ma mère m'a dit prends 4 ans. Alors je voulais que ça soit pour cet été. Et c'est vrai qu'il met du 3 ans. Donc ben, j'étais embêtée, j'étais entre deux. Mais bon, 4 ans ça m'a l'air pas mal. J'ai pas encore eu le temps de lui essayer. Si j'ai le temps avant de mettre cette vidéo en ligne, j'essaierai de vous rajouter une petite photo ou un petit essayage. Mais voilà, c'est l'ensemble avec un t-shirt, très bonne qualité hein, vraiment, et le petit short en dessous et le petit logo qui est sur le short. Donc au pire du pire, si ça ne va pas pour cette année, ça ira l'été prochain, c'est sûr. Mais voilà, je trouvais trop mignon et j'ai craqué aussi pour ma fille pour un autre petit haut, les Cooper. Du coup je vais vous montrer, hein, j'ai laissé tout emballer parce que j'ai pas du tout le temps de regarder ma commande. Et le petit haut, les Cooper, ma fille est trop mignon, il est trop mignon. Et 5 euros quoi, 5,90 € je crois. Trop pas cher, il y avait le même en mint, j'aurais dû le prendre. J'ai hésité longtemps. Mais voilà, il est trop craquant et je l'ai pris en 6 ans, je crois. 5-6 ans, 6 ans. Je me suis dit au moins, c'est large, c'est bien, ça lui ira dès maintenant et pour l'année prochaine encore une fois. Et bien sûr, je n'ai pas oublié mon troisième, mon petit dernier crapouillot. Et je lui ai pris un petit ensemble aussi. Alors, j'ai pas trouvé de bas pour ma fille, c'est pour ça que j'ai pas pris d'ensemble pour elle, parce qu'il n'y avait pas d'ensemble, il n'y avait pas de bas qui me plaisait particulièrement, donc j'en ai pas pris. Mais pour mon fils, le dernier, je lui ai pris en taille 3 mois. Comme ça va lui aller dès maintenant, là. Cette fois-ci, j'ai pas écouté ma mère. Et ce petit haut, trop mignon. C'est quelle marque, en revanche? Lemon Tree, c'est quoi la marque? Création française, Paris, Absorba. Habille les enfants depuis 1949. Je sais pas si vous verrez la marque, voilà. Donc, très bonne qualité, encore une fois, de coton. On sent vraiment la différence avec Kiabi, etc. Pas cher aussi. Et puis, alors, avec ça, il y avait le petit shirt, quoi. Mais trop craquant l'ensemble quoi, trop craquant, trop mignon, donc là parfait pour l'été. Pour moi, si vous me connaissez bien et puis vous l'avez remarqué encore une fois ici, Team Rose bonjour, j'ai craqué pour un pull rose. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh, c'est obligé, il est pour moi. En plus il était en XXL, je ne l'ai pas encore essayé mais je pense qu'il va m'aller, il va être un petit peu moulant mais c'est pas grave. De la marque Tommy Hilfiger, donc une marque américaine hein, si je ne me trompe pas. Vous voyez, il était donc, bah, c'est une sorte de déstock, hein, comme je vous dis. Il y a le petit logo qui est là, très discret. C'est un pull tout simplement rose, avec un col en V. Il est très doux, vraiment très doux. Je pense qu'avec le lavage, il va être parfait parce que j'ai déjà des vêtements comme ça. Pas de cette marque-là, mais de Calvin Klein. Et on sent la qualité et avec les lavages, ça s'abîme pas du tout. Alors que, bon, j'ai rien contre Kiabi, hein. Moi-même, je m'habille chez Kiabi, mais les lavages chez Kiabi, les vêtements après n'en sont plus à grand chose malheureusement au bout de quelques lavages. Et pour finir pour moi, encore une fois, je me suis pris
un t-shirt. Alors cette fois-ci c'est un Calvin Klein. Oui, je me suis fait plaisir. Hein. J'avais envie de prendre des trucs un peu meilleure qualité et de meilleure marque. Un petit t-shirt basique comme ça, vous savez, un peu dans le style Levi's là que tout le monde a. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre comme ça en gris Calvin Klein. La qualité est dingue, encore une fois le coton est juste divin. Très épais, très doux. Et du coup c'est une taille L en revanche, donc j'ai peur que ça soit un peu serré. Je savais quand je le prenais que c'était le risque. Mais j'ai pas encore essayé et je pense que ça va être un poil serré donc... Franchement, si je vous renvoie vers ma vidéo ici perte de poids, il est temps que je perde ces derniers kilos de grossesse, comme ça je rentrerai dedans. Pour finir, avant de passer à mes achats chez Action, j'ai craqué donc pour deux paires de chaussures sur le site. Encore une fois, il y a beaucoup de chaussures. Et j'ai craqué pour la fameuse marque Les Tropéziennes. Mais ça fait genre 20 ans, non j'exagère, mais ça fait au moins 10 ans que je vais m'acheter une paire de Tropéziennes. Pas forcément la paire classique, vous savez, de Tropéziennes qu'on connaît tous. Mais une paire voilà de nu-pieds qui pourra me servir l'été et surtout avec la qualité des Tropéziennes. Et honnêtement, je ne suis pas déçue au niveau de la qualité. Donc à l'intérieur, vous avez un tote bag pour ranger vos chaussures, donc ça je ne savais pas, je suis très étonnée. Tout est bien emballé, tout est bien rangé, tout est bien voilà, hein, avec le petit sachet, les Tropéziennes, etc. Et on sent en prenant la chaussure que voilà, qualité de dingue au niveau de la qualité du de la semelle et tout. On a une semelle, voilà, elle ne me fera pas qu'un été, c'est pas possible. Donc bien marqué les Tropéziennes ici, une semelle comme vous voyez au top, hein. Hyper épaisse, je veux dire, il n'y a pas moyen de l'abîmer. Vous savez, moi, c'est ici que j'abîme souvent mes chaussures. Là, il n'y a pas moyen. C'est du véritable cuir, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'est les Tropéziennes par M. Bellarbi en taille 40. Et du coup, vous avez vu un peu le style. Elles sont aussi martelées ici, les Tropéziennes. Alors, le petit souci quand je mets mon pied, c'est que je trouve que mon rikiki, là, il sort pas ici, mais on voit la trace de mon rikiki. J'essaierai de vous mettre une photo, mais je suis pas... Je sais pas si elles me vont bien au pied, en fait. Elles sont un chouïa. Mon pied est peut-être un chouïa large à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ici, mon pied fait une espèce de vague bizarre. Je trouve pas ça très sexy. Donc, va falloir que je l'efface, je pense. Vous savez que j'élargisse un petit peu le cuir. À voir. Je vais les réessayer. Parce que j'ai essayé vite fait pour voir ce que ça donnait. Mais sinon, elles taillent très bien. Elles sont plutôt confortables. Après, j'ai pas marché pendant des heures avec, mais elles ont l'air confortables. Et la deuxième paire que j'ai pris, qui était beaucoup moins chère, qui était autour de 9 euros ou 12 euros, je crois, mais grand max, quoi. C'est une paire de chaussures de la marque Wyland, made in Spain. Alors je connais pas, peut-être que vous connaissez. Toujours en taille 40. Et c'est, vous savez, ce genre de chaussures-là là, qui ressemble un peu à les Birkenstock, un truc comme ça, je sais pas trop le nom. En noir comme ça, tout brillant. Honnêtement, ça fait longtemps que je voulais en prendre une, j'ai jamais craqué. Là, il y avait des Levi's aussi sur le... Des Levi's... Non, il y avait une autre marque, je sais plus c'était quoi la marque. Il y avait une marque comme ça de chaussures qui était sur le site, mais du coup c'était hors budget. Donc j'ai résisté, j'ai pris ceux-là qui sont un peu moins chers. Elles sont très jolies, elles ont encore une fois une grosse semelle. Elles sont confortables, je les ai mis juste pour tester, elles ont l'air confortables. En revanche, mon pied, quand il se plie et qu'il se remet dans la chaussure, il a pas, il arrive pas au milieu en fait. Il a tendance à partir sur le côté parce que ici vous voyez c'est un petit peu de travers. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication, mais voilà, c'est à porter, à faire, hein, entre guillemets, c'est des chaussures à faire. Mais elles sont quand même très confortables celles-ci. Je pense que voilà, pour la maison, pour se balader et tout, ça va être très très bien pendant les vacances d'été. Donc j'ai fait des petites merveilles sur ce site. Je vous invite vraiment à aller le découvrir. Si j'ai un code promo ou quelque chose comme ça, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais m'enseigner auprès de la marque. Et honnêtement, c'est un site qui est très sympa. Ou si vous avez les boutiques pas trop loin, n'hésitez pas à aller zioter. Ma petite Lily, toi qui es vers Marseille, tout ça, n'hésite pas à aller voir. Bon, chez Action, j'avais décidé d'y aller pour 2-3 choses. Comme d'habitude, quand on y va pour 2-3 choses, on ressort avec 3-4 choses, 5-6 choses, mais qui n'étaient pas prévues. Je devais y aller pour acheter des verres en plastique et quelques assiettes, etc. pour faire mon pot de départ à l'école. Vous verrez ça dans mon weekly vlog, je sais pas s'il sera déjà en ligne ou pas. Je sais pas dans quel ordre je mettrai ces vidéos, mais s'il est déjà en ligne, je vous mettrai ici mon weekly vlog. Retour à l'école, mon dernier, mes au revoir avec mes collègues. Et du coup, j'avais acheté quelques petits... Je voulais y aller pour ça, pour acheter des petites choses pour mon pot de départ. J'ai failli l'oublier d'ailleurs, toutes les petites choses, genre les verres en plastique, j'ai failli les oublier, j'y ai pensé à la caisse. C'est pour vous dire que dans Action, c'est le mal. On y va pour un truc, on ressort avec d'autres trucs. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire, ça m'intéresse pour me rassurer. Ma mère a vu ce truc-là. Moi, je voulais pas aller dans les rayons comme ça. Mais ma mère a déplié ce truc-là. Et là, quand je l'ai vu déplier, j'ai... Oh my god, il est trop beau. Je l'avais déjà vu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et je l'avais jamais trouvé en fait dans mon Action. Et là, je l'ai trouvé. Donc c'est une sorte de serviette de plage toute ronde comme ça, trop belle, mais elle est juste magnifique.
J'essaierai de vous faire une photo dépliée dans mon jardin pour vous montrer et vous l'inclure ici, mais waouh, j'étais trop trop contente de la trouver. Donc ça, moins de 10 euros, ça valait quand même plutôt le coup. Et ma mère m'a pris ces deux petits, enfin elle en a pris quatre comme ça, du coup, pour mettre sur les tables de jardin. Donc très jolie, un petit peu assortie quand même, hein. Je ne sais plus si je vous ai raconté, mais tel un gros boulet, j'ai cassé mon pèse-personne, hein, ma balance en fait, elle était en verre, je l'ai cognée contre le rebord de ma baignoire et je sais pas, elle s'est cassée en mille morceaux. Elle a décidé que c'était l'heure de sa mort. Du coup, j'avais plus de pèse-personne. J'en ai vu un comme ça chez Action de la marque Medisana. C'est un pèse-personne qui mesure le poids, le taux de graisse, la masse hydrique, je sais pas ce que c'est. Le taux de muscle et la masse osseuse, et puis qui a du touche tactile, et je crois qu'elle a 10 mémoires, 10 mémoires pour 10 personnes différentes, donc ça c'est plutôt cool. Il y en avait une qui était moins chère pour celles qui veulent juste un pèse-personne basique, qui était à 6,95 et celle-ci était à 13,95, mais moi je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas eu de pèse-personne aussi détaillée, donc je me suis dit pourquoi pas, on verra. En tout cas, il m'en fallait un, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos perte de poids, il faut que je continue à suivre mon poids, donc. Il me fallait une balance, hein, sinon ça allait être compliqué pour suivre tout ça. En plus, si j'ai pas de balance, j'ai tendance à grossir parce que je me dis, oh, c'est la fête. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des choses pour mon pot de départ. Mais alors, dans mon sac, ils ont fait un peu la gueule. Donc, des espèces de plateaux pour mettre tout ce qui est gâteau, des petites assiettes, un petit chemin de table comme ça, un peu abeille. J'ai pris des cotons pour mes loulous. Hein, ça, vous savez, j'en prends tout le temps là-bas parce qu'ils sont pas chers, à 1,11€. J'en ai pris deux paquets. J'ai pris des petites serviettes comme ça, qui rappellent un peu le chemin de table, et des comme ça, qui sont un petit peu plus fleuries. J'ai pris des verres comme ceci, un petit peu colorés, voilà, pour, encore une fois, mon pot de départ, et des verres un petit peu à champagne, à vin, tout ça. Des petits couverts, au cas où il y a des petits gâteaux un peu relous à manger, hein. Et j'ai pris des sacs à couches, encore une fois, pour mes enfants. Le fameux, vous avez été nombreux sur Instagram à suivre mes aventures par rapport à ça. J'ai acheté un truc comme ça, mais avec une boîte métallique sur Amazon. Vous m'avez tous conseillé celui-ci de chez Action. Je sais qu'il a l'air pas trop mal, mais moi je voulais avec la boîte en fait qui se referme. Celui-là, il a pas la boîte en fait, c'est pour ça. Mais il est à 2€, donc pour celles qui sont intéressées, vous savez, les moules à empreintes pour faire les empreintes de vos enfants, bah ça peut être pas mal. Donc je vais quand même le tester, parce que je me dis, bon, hein, 2€, je vais tester. Mais moi j'ai fait quand même celui de Amazon avec la boîte et tout, je l'ai fait, comme ça je suis contente de mon petit truc. J'ai acheté des petites chaussettes comme ça pour mettre dans mes baskets, parce que c'est pratique, c'est tout, c'est bas en fait, et donc c'est pas mal du tout. Et des roll-on comme ça de colle pour mon scrap, mon planeur, mon memory planner. D'ailleurs, je ne vous ai pas oublié, vous êtes nombreuses à m'avoir dit des vidéos scrap et tout, ça serait cool. Bah je vais essayer, honnêtement je vous promets rien, mais je vais essayer de faire ça très très vite. À 99 centimes, je crois, j'ai repris des accessoires cheveux, des petites pinces comme ça, parce que bah, ça part à une vitesse monstrueuse, surtout qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai la polio, je les casse toutes. J'ai trouvé ça dans le rayon été, un peu piscine, tout ça, des After Sun Facial Mask qui rafraîchissent et qui hydratent à l'aloe vera. J'en ai pris que deux parce que je me suis dit, je sais pas trop la compo, mais faut avouer que les packagings sont trop mignons, quoi. Et c'est plutôt sympa, donc je me dis, c'est vrai qu'après avoir pris un peu le soleil, ça peut être cool de mettre ça pour se rafraîchir et hydrater sa peau, sachant que moi, maintenant, j'ai une peau sèche, ce que je n'ai jamais eu de ma vie. Pour ma fille, j'ai repris des petits trucs comme ça, mon fils, il l'a déjà mangé. Pour mon mari qui fait du jardinage, je lui ai pris ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa, ils étaient à 1€, je crois. Donc comme il jardine beaucoup dans le jardin, hein, il coupe les feuilles, tout ça, bah, je me suis dit que ça serait pas mal. Et après, c'est ma maman qui a acheté des bêtises. Oui, oui, ça lui arrive aussi d'acheter des bêtises. Elle a acheté ça, un pour ma fille, un pour mon fils, sachant que moi j'en ai déjà un à la maison, mais je ne sais pas pourquoi les mamies achètent vraiment n'importe quoi. Elle a acheté ça pour mes enfants, oui, parce que je sais pas si c'est très utile, une machine à bulles, hein. Mais bon, on essaiera demain, je crois que j'ai le produit à la maison, donc on essaiera quand même. C'était pas donné, hein, je crois, de 3,50€. On a pris ça à pas cher, hein, si vous cherchez des petits trucs comme ça, 1,15€, je crois, parce que j'en ai pour ma fille, mais pas pour mon fils, donc comme ça c'est bien d'en avoir pour chacun. Enfin, son trois enfants, ça servira toujours. Et ça, je suis contente d'avoir trouvé ça pour mon fils parce que ben, les bavoirs et tout là, ils sont déjà abîmés et ils sont bons à mettre à la poubelle malheureusement. Il les a déjà salis, c'est devenu jaune et tout. Enfin, c'est pas terrible. Donc là, j'ai trouvé ces petits bavoirs là à clip et pas à scratch. Donc ça, je suis contente. Ces petits bavoirs un peu bandana, trop mignons. Des bleus marines et des vermint là. Donc pareil pour Kezia ou même pour Oran si ça lui va. Et ben pourquoi pas parce que Oran. Bave un petit peu beaucoup, mes enfants sont des gros baveurs et Oran bave un petit peu beaucoup parce qu'il a des molaires qui sortent là. Oui,
très longtemps après, ma fille elle les a eu à 1 an, lui il les a eu à 2 ans et demi. 2 ans. Et pour finir, j'ai pris un petit lot de bavoirs comme ça, trop mignon. J'en avais déjà acheté pas mal. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal du tout. Pour Kezia, voilà, ça servira et ce sera très bien. En plus, ceux-là, ils sont réglables. Ils ont deux positions. La dernière fois, ils en avaient pas deux, je crois. Je crois, je suis même plus sûre. Mais j'en avais déjà acheté dans le même style à Action. Et c'est vrai que pour 2,99€, je crois, ça reste raisonnable et la qualité est pas trop mal. Allez, pour finir, ma mère voulait absolument acheter des caleçons à mon fils, des boxers. Donc on a pris une paire parce qu'elle veut qu'il soit propre, sauf que lui il est pas du tout prêt. D'ailleurs si vous avez des conseils, hein, les mamans par ici, mon fils va aller en septembre à l'école mais il est pas du tout prêt à être propre. Il veut absolument pas aller sur le pot, etc. C'est hors de question. Bon. Voilà pour mes trouvailles et mon racontage de là. Enfin, faut vraiment que j'arrête de raconter ma vie dans mes vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire vous les dernières nouveautés que vous avez trouvées. Oh, j'allais absolument oublier mes trois petites choses de scrap que j'ai trouvées. Mes deux choses de scrap que j'ai trouvé, il y en a un que j'ai pris en double, des petits stickers comme ça, pas cher du tout, je sais plus le prix, mais je vous remettrai peut-être une info. Et ceux-là, c'est même un dupe d'une marque connue parce que je les avais vus chez Audio dans le même style, il y a longtemps. Donc voilà, ça je suis contente d'avoir trouvé ces petites trouvailles-là, ces petits stickers, il n'y avait pas grand-chose dans mon rayon scrap, mais je suis contente d'avoir trouvé ça. Donc j'ai hâte de lire vos petits commentaires, vos petites réactions, vos dernières nouveautés, les dernières choses que vous avez prises. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à activer cette satanée cloche puisque j'ai cru comprendre que si vous ne l'activez pas, bah malheureusement vous ne voyez pas mes vidéos dans votre fil d'actualité. Donc n'hésitez pas à le faire si vous aimez bien mes vidéos. Et puis on se retrouve prochainement, oui, pour des vidéos maîtresses, c'est promis, c'est juré. D'ailleurs, je vous dirai très très vite dans quel cas je serai. Salut, salut !